Bonjour mes chères écolières et écoliers. Je suis madame Asma, votre professeur de français. Je suis très ravie de vous avoir dans ma classe et j'ai le grand plaisir de vous présenter leçon 2 lexique intitulé Les familles de sens. J'observe et je découvre Veuillez observer ces images. Qu'est-ce que c'est Bien, ce sont des pommes de terre. Qu'est-ce que vous voyez là Bravo. Ce sont des tomates. Qu'est-ce que c'est Très bien. Un poivron. Qu'est-ce que c'est Bien. Une carotte. Pomme de terre, tomate, poivron, carotte. Représente de quoi Réfléchissez représente des légumes. Alors, le groupe pomme de terre, tomate, poivron et carotte représente des légumes. Alors, à partir de cet exemple, on peut déduire la règle suivante. Les mots pomme de terre, tomate, poivrons et carottes sont liés par le sens ils forment alors une famille de sens comme dans les, le précédent exemple on peut les regrouper sous le mot étiquette qui est dans ce cas les légumes c'est-à-dire, on appelle le mot légume dans cet exemple le mot étiquette. Comme ça, on a un groupe de mots pommes de terre, tomates, poivrons et carottes qui est légume. C'est parti pour des exercices de compréhension. On commence Alors, allez-y. Commençons par le premier exercice. Observez les mots suivants. Jaune, bleu et rouge. Question. Trouvez le mot étiquette correspondant à cette famille de sens. Autrement dit, que représentent les mots rouge, bleu, jaune Réfléchissez. C'est bon Allez-y. Passons à la correction. Alors, le mot étiquette dans ce cas, eh bien les couleurs. On passe au deuxième exercice. Question entourez l'intrus dans chacune des listes. Première liste bleu, rouge, noir, blanc, soleil. Deuxième liste orange, pomme, crayon, banane, abricot. Troisième liste robe, pantalon, table, short, manteau. réfléchissez. allez-y. passons à la correction. êtes-vous prêt? Allez-y. Dans la première liste, les mots bleu, rouge, noir et blanc représentent des couleurs. Alors le mot intrus est bien soleil. Dans la deuxième liste, les mots orange, pomme, banane et abricot représentent des fruits. Alors le mot crayon est l'intrus. Dans la troisième liste, les mots robe, pantalon, short, manteau représentent des vêtements. Ainsi, le mot intrus est le mot table. Exercice numéro 3. Question. Complétez cette famille de sens. qui a comme mot étiquette animaux. Réfléchissez. Allez-y, passons à la correction. Alors, on peut proposer beaucoup de mots dans ce cas. On propose un lion, un cheval, un chien. On peut aussi mettre le mot chat, ou bien vache, ou bien chèvre, ou bien singe, etc. La leçon est bien finie. J'espère que vous avez retenu cette leçon. On se retrouve à la prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.